Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 9h50, j'attends le facteur qui m'amène ma deuxième partie du haul Shein pour que je puisse aller vous filmer ça. Je viens de tourner ce make-up. Vous l'avez déjà eu ou pas? Attendez, je sais plus. Non, c'est celui de demain. Voilà, c'est le crash test focalure, des produits focalure qu'ils m'ont envoyé. Donc, petit week-end, vendredi, j'ai fait du montage et j'ai attendu le colis focalure qui s'est pointé à 20h. Voilà. Et du coup, je vous ai fait le unboxing en live Insta. Donc, c'était sympa. Samedi, alors j'ai pas beaucoup dormi. Je crois que Riley m'a laissé dormir 3 heures à tout péter. Et ensuite, on est parti à Liège, au Media City, pour aller à Primark. Et Manon m'a rejoint là-bas, avec Nico. Et on avait Sam et sa copine avec. Et voilà, on a passé quelques heures ensemble. Ça fait la journée, on est parti toute la journée, mais ça faisait que quelques heures ensemble. Mais c'était bien, on a bien rigolé, on a bien mangé, on a été manger chez Burger King. On voulait aller au Pokéball parce que nous on m'a fait rire, mais c'était blindé, alors on n'avait pas de place, alors on a été là où il y avait de la place parce qu'il était déjà 14h passé pour aller manger. Et après on a été se prendre un petit dessert chez Agendas. Voilà, je vous ai fait le haul Primark, je vous le remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un message après en me disant oh, je me semblait bien que c'était toi, je t'ai vu mais j'ai pas osé venir. Mais il faut venir quand c'est comme ça, quand vous me croisez quelque part. Moi, je ne vous reconnais pas forcément, je ne connais pas votre visage. Mais il faut venir, même si je ne reconnais pas le pseudo, parce que vous commentez rarement ou des choses comme ça. Vous me dites juste que vous êtes une abonnée, vous me donnez votre pseudo, comme ça après, je tilterai peut-être plus facilement. Je ne vous promets rien. Mais il faut venir quand c'est comme ça, j'adore vous rencontrer, c'est génial. On se fait une petite photo, on papote deux, trois mots, et puis voilà. Jamais ça ne me dérangera que vous m'arrêtiez quelque part. Voilà, bon, si vous me voyez en train de courir, c'est que là, c'est urgent. Donc, limite, si vous me voyez en train de courir, je vous conseille de courir dans la même direction que moi. Mais sinon, il n'y a pas de souci. J'adore vous rencontrer. C'est incroyable de pouvoir vous rencontrer. Donc, voilà, prochaine fois, tu viens me voir. Après, je vais rarement Liège. Donc, voilà, on a passé vraiment une belle journée. On est rentré, j'étais épuisée. Mais du coup, j'ai quand même filmé le haul pour pas être en retard et j'ai fait le montage direct, comme ça c'était fait. Le dimanche, j'ai tourné le dernier make-up de film, donc Aquaman, que là vous avez déjà eu. Et ensuite, j'ai été à la douche pour me démaquiller parce que vu que j'en avais absolument partout, limite le Karcher s'imposait. J'ai fait une micro-sieste, de moins d'une heure. Puis après, on a été chez mon frère. Boire le café et déposer le colis de ma belle-sœur. Il y avait blindé de monde, hein. Il y avait des amis d'enfance de mon frère et moi qui étaient là. Ensuite, il y a sa belle-fille, enfin la fille de ma belle-sœur qui est arrivée. Voilà, on a passé un super moment. On est resté là un peu plus de 2 heures et on est rentré. Riley n'avait pas fait ni pipi ni caca. Ça, c'est incroyable. Ce matin, j'ai nettoyé et Ryan et on a profité pour aller dehors creuser et rentrer avec les pattes dégueulasses. Donc j'ai déjà dû redonner un coup après que j'ai nettoyé. Oui, voilà ma vie. Voilà, je vous dis que j'ai pas une vie passionnante. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez mes vlogs parce que ça se résume à ça. Ma vie avec les animaux. Et là, ils sont en train de commencer à vouloir jouer. Mais je vais leur donner à manger, comme ça va les calmer un peu. Je suis gelée, j'ai renfilé mon sweat stitch parce que je suis gelée, j'ai plus de pelé. Donc je me gelé toute la journée. Si Riley est dehors, je pense que je vais tester ma couverture chauffante. La dernière fois, j'ai essayé de la tester, mais elle est en train d'essayer de la bouffer. Donc j'ai abandonné l'idée. Donc je pense que je vais tester ma couverture chauffante après. Quand elle dormira, parce que si elle ne dort pas. Voilà, Enzo est rentré. Alors là, on fera aussi, quand j'aurai reçu les commandes, un haul Shein pour Sam, puisque. Puisque voilà. Ouais, chez Primark, il n'a rien trouvé. C'est ce que je vous disais dans le haul.
Il n'a rien trouvé, donc du coup on a fait des commandes chines, puis il me dit, oh, bah, on pourra faire un haut là, maman. Oui, mon fils. Il dit, tu seras obligé de faire toi le troyon parce que moi je ne peux pas enfiler tes vêtements, hein. Ça va être un petit peu trop grand pour moi. Hein. Voilà, il est content et il a certainement trouvé beaucoup plus de choses sur Chine pour le même montant qu'il aurait trouvé en Primark. Alors je suis dégoûtée, le gilet dans le haut, si vous avez vu, j'ai pris un gilet bleu couleur comme ça, avec un stitch. C'était bien un cintre S, mais c'était du 2XL le gilet. Il était mal rangé. J'ai pas vérifié l'étiquette et voilà. Donc j'ai l'air d'un sac dedans. J'ai dit c'est pas grave, je vais mettre de côté pour la copine d'Enzo, pour son anniversaire, sur le mois de mai, je crois. Si ma mémoire est bonne, je vais lui mettre de côté pour son anniversaire, elle sera contente. C'est parti, c'est séance de catch du matin. Ils en ont déjà fait une à 7h ce matin. Hein. Là, il est 10h, ça recommence. Je vais aller préparer à bouffer, comme ça, ils vont se calmer un petit peu. Je crois que j'aurai rien d'autre à vous dire aujourd'hui, parce que là, je vais attendre le facteur pour aller vite filmer la deuxième partie du haut de Chine. Ma commande Maki Beauty ne bouge absolument pas. Depuis l'expédition, elle n'a pas bougé. Donc depuis le 5, on est le 16, je crois. Ouais. Ça n'a pas bougé. Mais absolument pas d'un pouce. Donc là, je vais attendre. Si ce soir, ça n'a pas bougé, je vais envoyer un mail à Maki Beauty, voir un peu ce qui se passe. Parce que c'est pas normal. Normalement, je les reçois beaucoup plus vite que ça, les commandes. Donc je pense que je ne pourrais pas l'inclure dans le haul. Mais je vous montrerai ça dans le vlog. Quand j'aurai réceptionné, hein, ma foi, puisque déjà il faut qu'il arrive chez mon frère et après il faut que je le récupère chez mon frère. Donc, à mon avis, cette semaine ça va être tendu. À moins que le suivi déconne et qu'il passe directement de expédier à livrer, quoi. Mais voilà. Là j'attends doucement. J'attends plus que ma commande Cosmetic Forless pour vous filmer le haul beauté. Ah non, elle coffre à Chine aussi. Mais le coffre à Chine, il devrait pas tarder à arriver. Attendez, je vais vérifier. Parce qu'autant vous le mettre dans le hall beauté, vu que j'aurais déjà tourné. À moins qu'il arrive aujourd'hui, je vous mettrai dans le hall Chine, mais ça m'étonnerait. Parce que j'ai pas le suivi qui s'est mis. Mes commandes. Ouais, il est arrivé à l'installation locale, donc je pense que demain je l'ai. C'est marqué à partir du 18, mais je pense que je l'aurai demain. Donc je tournerai le haul beauty demain, et voilà. Demain ou après-demain, je sais pas. Enfin non, de toute façon, il faut que j'attende Cosmetic Forless. Là, il y avait des belles soldes, mais après c'est chiant pour les frais de port, parce qu'il faut vraiment commander beaucoup pour avoir les frais de port gratuits. Ou alors, je crois que même pour la Belgique, il n'y a même pas les frais de port gratuits. Bref, mais il y avait des belles soldes. Donc voilà. Ben écoutez, moi je vais aller nourrir mes clébards en espérant qu'ils se calment un peu. Attendre mon facteur. Et je vais retourner le haut de Chine. Et après, ça sera repos parce que je suis crevée. J'ai bien dormi hier soir. Non, pas cette nuit, j'ai pas bien dormi. Ouais, cette nuit, j'ai pas bien dormi. J'ai été me coucher tard et Riley m'a réveillée à 4h moins le quart. Et je me suis dit, j'allais me coucher plus tard. Comme ça, elle fait son petit pipi tard. Alors déjà, elle voulait pas dormir, elle avait envie de jouer. Avec chérie, on essayait à tour de rôle de la calmer en la caressant et tout, pour qu'elle s'endorme, mais non, pas moyen. Pour finir, elle est tombée comme une masse, mais elle m'a réveillée à 4h moins le quart. Donc là, je suis un peu crevée. Et j'ai déjà pas arrêté depuis ce matin. J'ai fait une vidéo, une ouverture de vlog, j'ai nettoyé, j'ai fait deux machines qui sont en train de sécher. J'ai rangé les jouets de Riley trois fois, puisqu'à chaque fois que je les range dans sa boîte, elle prend la boîte et elle la retourne. C'est vraiment comme un bébé, vous savez. Elle prend la boîte limite et elle me narque en la retournant. Et j'ai renettoyé les pattes, les traces de pattes de Riley. Voilà, comment est-ce qu'elle le niaque? Elle prend sa babine dans la gueule et elle tire dessus en secouant. Bon, allez, sur ce, on se suit toujours. Alors, il est 9h17. J'ai filmé ce réel. J'ai filmé ma rotation pour le 1er février. Je prends un peu d'avance.
Parce que là, pour finir le mois, il me reste le haul beauté et le crash test nouveauté. Mais j'attends les colis qui doivent arriver, je pense, aujourd'hui. Les deux colis qui me manquent. Maki Beauty, je pourrais pas le mettre dedans. Puisque j'ai envoyé un mail hier pour dire que ça n'avait pas bougé depuis que le colis a été expédié. Et ils ont contacté DHL pour voir ce qui se passait. Puisque c'est absolument pas normal. J'aurais dû le recevoir au grand max fin de la semaine dernière quand même. Hein, donc voilà. Et là, il n'a pas bougé, il est toujours coincé à Barcelone. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai, mais je vous montrerai ça dans le vlog qui suivra la réception. Donc là, il me reste le Disney Challenge à tourner, le haul beauté, le crash test nouveauté pour finir le mois. Et donc, j'attaque maintenant février. Donc, j'ai déjà fait la rotation, puisque moi, j'avais envie de changer mes produits. Je ne vous ai pas filmé la dernière parce que j'en ai changé que 2-3. Là, j'ai filmé parce que j'ai changé un peu plus de choses. Je suis réveillée depuis 3 heures. Merci Riley. Donc du coup, j'ai déjà une grande journée dans les pattes. Ça fait déjà 6 heures que je suis en route. J'ai pas arrêté depuis que je suis réveillée. J'ai redonné un coup par terre puisque... Ah, peu importe quand est-ce que je nettoie, c'est tout le temps dégueulasse. Et c'est de la faute aux pattes à Ryan principalement. Et à Samu, j'ai des poils partout. Bref. J'ai fait le lave-vaisselle, j'ai un petit peu rangé. Riley a demandé la porte pour sortir faire son petit poups tout à l'heure. C'est bien, il y a du progrès. Elle était toute contente quand elle est rentrée parce que je la félicite vraiment beaucoup quand elle rentre. Et elle était toute fière. On sentait qu'elle était fière. C'était marrant. Mais elle a demandé la porte. Alors c'est très discret parce qu'elle ne gratte pas la porte. Elle se met devant la porte et elle regarde la porte. Et si vous courez pas en direction de la porte, elle fait caca juste devant. Voilà. Donc, mais je suis contente. Elle a demandé, je l'ai bien, bien, bien félicitée comme ça. Elle comprend que c'est bien ce qu'elle a fait. Ah oui, je voulais vous faire ma petite wishlist anniversaire, mais j'ai plus de batterie, donc je ne peux pas vous la faire aujourd'hui. On fera ça demain. Et hier, j'ai quand même eu une tentative de piratage sur mon compte Instagram. Voilà, il y a des gens qui demandent pour changer mon mot de passe. Oui, bien sûr, je vais le faire tout de suite, Coco. Attends, je te donne toutes les infos si tu veux. Je te donne aussi mon compte, mes codes de ma carte. Ah là là, il y en a vraiment qui n'ont rien de mieux à faire. Je suis hyper sécurisée et j'ai en plus rajouté le truc, l'identifiant, grâce à Manon qui m'a expliqué avec Authenticator ou Authenticator ou Terminator du mot de passe. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui c'est tout ce qui va se passer parce que là j'attends mes colis et je vais aller tourner mon haul et après je vais aller dormir parce que debout depuis 3 heures, j'ai déjà une journée de 6 heures dans les pattes. Ah, j'ai lavé mes pinceaux aussi à 5 heures au matin, j'ai que ça à faire le matin. Et voilà, donc bah écoutez, on suit du jour et demain on fera la wishlist, mais là je voulais la faire maintenant, mais j'ai plus de batterie donc. Et comme ça, j'uploade sur mon PC les images pour rien oublier. Donc voilà, sauf s'il se passe quelque chose. Et demain matin, il y a TJ qui vient aussi. Mais bon, sauf s'il se passe quelque chose aujourd'hui, on switch du jour. Alors, il est 9h34. Et voilà, j'ai une tête de guenuche. Mais je viens de finir mon ménage. Et les chiens commencent à foutre le bordel. J'ai pas eu beaucoup de ménage à faire. Bon, j'ai quand même donné un coup par terre pour enlever les odeurs de chien et tout ça. Parce que quand la petite elle pète, ça pue la mort. Mais j'avais beaucoup de poils à ramasser en fait. Parce que Ryan est en train de muer. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. J'attrape ça sur son cul. Hein. Voilà. Je vous avais déjà montré une fois quand il mue comme ça. Donc, comme la petite joue et qu'elle lui arrache les poils, bah, j'ai des moumoutes de bourre partout, donc j'ai surtout dû balayer les poils et j'en ai profité pour donner un petit coup. Mais hier Riley ne m'a fait que un pipi dans la maison sur toute la journée. Elle a fait que un pipi et elle en avait un ce matin, mais c'est de ma faute. J'ai pas vu qu'elle demandait la porte. J'attends le facteur. Hein. J'ai pas vu qu'elle demandait la porte. Quand elle demande la porte, c'est hyper discret. Elle se met devant, elle attend 3 secondes et si on lui ouvre pas, elle fait là. Et donc ce matin, j'ai pas vu qu'elle avait demandé la porte, donc j'ai ouvert. Enfin, j'ai ouvert quand j'ai vu qu'elle demandait. Elle allait, elle se mettait en position pour faire caca, donc je lui ai vite crié non. Elle s'est retenue et elle est sortie. Sauf que je viens de voir qu'elle avait fait caca. La porte de la sortie, le jardin est là. Elle a fait caca là, à l'intérieur, dans la buanderie. Mais bon, c'est pas très grave, c'est parce que moi j'ai pas vu. Et j'ai vu après qu'elle avait fait le petit pipi à l'intérieur. Mais c'est en bonne voie.
c'est vraiment en bonne voie. Il se met dans le canapé parce que comme elle ne sait pas encore monter dedans, ça l'amuse. Voilà, donc là j'attends le facteur qui m'amène deux colis Amazon. Bon, c'est pas incroyable, j'ai recommandé un chargeur pour avoir la charge rapide. J'espère que ça fonctionnera parce que quand vous passez de la charge rapide à la charge normale, c'est non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez l'impression d'attendre des heures et des heures et des heures que votre téléphone charge, alors qu'en max une heure, normalement il est rechargé. Et j'ai repris une coque de téléphone. Je me suis pas trop foulée, j'ai repris la même que celle que j'ai fait les trous dedans. C'est une pailletée, voilà, une transparente mais pailletée. Là j'avais fait les trous dedans pour mettre la chaînette, mais je l'utilise pas tout le temps et j'avais collé un autocollant des Super Nana. J'avais mis le petit truc là aussi. Voilà, ça je l'utilise en principe quand je sors, quand je pense à changer de coque, parce que pour l'avoir bien en main, mais je préfère avoir une coque classique, et là j'ai la Super Nana. Mais j'ai envie de remettre une transparente pour qu'on voit l'effet de mon téléphone, puisque j'ai un téléphone avec une belle coque, enfin une belle face arrière. Et je reçois aussi mon partenariat Mondial Tissu aujourd'hui. Et alors Maki Beauty, donc j'ai envoyé un mail, je ne sais plus quand. Je crois pas que je vous l'ai déjà dit, enfin si, je vous ai dit que j'avais envoyé le mail, mais du coup, hier mon colis il a fait un bond Barcelone. Allemagne. D'un coup, pouf, il s'est téléporté le bazar. Mais du coup, maintenant, il bloque là-bas, quoi. Il est toujours pas en cours de livraison. Donc, je pense pas que je saurais l'inclure dans le hall. Oui, je vais débarrasser un tiroir en dessous pour lui ranger tous ses jouets dedans. Parce que quand je les mets dans la boîte en plastique, en fait, dès que je les mets dedans, elle retourne la boîte. Comme les gosses, vous savez, avec les Lego. Donc, j'attends mon colis, donc aussi Mondial Tissu. Et normalement, je devrais bientôt recevoir mon colis du partenariat Bijoux. Donc, je vous montrerai le déballage dans ce vlog-ci ou le vlog prochain suivant, quand est-ce que je les reçois. Et j'en parlerai plus pendant le haul beauté pour vous donner plus de détails. Et là, normalement, vous aurez le code promo qui sera valable une semaine. Donc, comme ça, vous pourrez préparer votre panier, si ça peut vous intéresser. Je sais plus combien je vais avoir, 10 ou 15%. Enfin, combien est-ce que vous allez avoir, pas moi. Donc, voilà. Là, je vais vous faire, parce que j'attends des J qui devraient arriver vers entre 10h et 10h30, c'est toujours 16h. De toute façon, on m'envoie toujours un message quand elle vient. Mais je vais vous faire ma petite wishlist d'anniversaire. Enfin, petite, tout est relatif, hein, bien évidemment, comme d'hab. Alors, je vais commencer par la bague Pandora ici parce que je sais que je vais l'avoir. Ma belle-sœur l'a déjà commandée. En fait, elle voulait me l'offrir pour Noël, mais il n'y avait plus ma taille de dispo. Et parce qu'il me faut une 52, puisque je vais la mettre ici, vous savez, vu que là, j'ai ma bague que j'ai eue à mon anniversaire de mes parents à mes 16 ans. Et c'est une pierre bleue. Et là, c'est la bague en collaboration Aladdin. C'est la Jasmine et elle est juste sublime. Voilà, 65€ quand même, donc c'est un sacré cadeau, mais je vais l'avoir pour mon anniversaire du coup de la part de mon beau-frère et de ma belle-sœur. Donc voilà, pour le reste, si jamais il y a ma famille qui passe sur une fois que j'aurai le cadeau de ma belle-sœur, il restera mon frère, mes beaux-parents et ma belle-sœur, hein, comme cadeau. Si jamais il y en a qui passent par là, il y a certains articles que j'ai envoyés à Charline, donc la copine d'Enzo. Donc essayez de voir avec Enzo s'il y a des trucs que vous voulez prendre, puisque le reste, je ne sais pas. Ils m'ont commandé mon cadeau sur ce que j'ai envoyé, mais je ne sais pas quoi. On continue avec la collection Aladdin et ma bague couronne que j'avais. Vous savez, c'est la première bague Pandora que je me suis achetée parce que je rêvais de cette bague. Là, la différence, c'est que la pierre, elle est bleue à la place d'être blanche, comme celle que j'avais. Depuis que j'ai perdu du poids, je dis que je vais me la racheter. Si je la trouve pas en version Aladdin, c'est pas très grave, je la prendrai en version classique. Je pense que je vais bientôt me la racheter ou je vais demander peut-être à Chérie. Mais Chérie, je lui ai demandé celle-ci, de chez Pandora. Voilà, les ailes, elle est juste magnifique. Et là, c'est en 54 parce que j'aimerais la mettre ici. Je la trouve juste sublime. Je suis tombée dessus en regardant pour la bague, justement, couronne. Elle est trop belle. Mais alors, vraiment trop belle. Elle joue avec une touche de poil de Ryan. Alors, il y a les deux bracelets, là, celtiques et pierre de lune, que j'ai vu sur Amazon.
Donc, je pense que Enzo et Charline vont m'offrir ça. Je ne suis pas très sûre, mais je pense que ça va être ça. Je ne sais pas, j'ai la surprise. En fait, Charline m'a demandé plusieurs trucs pour qu'elle puisse choisir et que j'ai la surprise. Mais je les trouve vraiment très beaux. Il y a deux sortes de prix. Il y en a une à 20, un à 21 euros, un à 38 euros, qui est le symbole, comme j'ai mon tatouage de Charmed. L'autre est très beau aussi, et c'est des pierres de lune, et j'adore les pierres de lune. Je trouve ça très beau et très mystique. Donc voilà, j'ai mis ça aussi en wishlist. Alors, toujours et encore, mais ça s'est pas ouvert. Alors attendez, je cherche. Il y a des trucs qui ne sont pas affichés. Les superstars, bien évidemment, hein, elles sont toujours dans ma wishlist. Normalement, on a regardé quand on a été chez Primark dans le centre commercial. On les a pas vues en solde, donc j'ai dit c'est pas grave, ça peut attendre le mois prochain par exemple ou quoi. Et si jamais c'est pas des superstars, mais c'est les iridescentes, hein, que je veux pas d'autres, ça sera des buffalo. Mais les buffalo, c'est pas le même tarif non plus. Mais sinon, ouais, les superstars, je pense que je vais bientôt aller me les chercher quand même. Parce que j'ai envie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, il y a beaucoup de trucs. Hein, on a fait les bijoux, les vêtements. On va passer mon parfum Olympia. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'original. J'ai celui de Nox qui sent vraiment pareil. Sauf qu'on en parlait avec Manon. On trouve que les parfums Nox tournent beaucoup plus vite que les vrais. Bon, tant que l'odeur ne change pas, c'est pas très grave, mais ils changent vite de couleur. Ça, c'est déjà, ils deviennent vraiment jaune pisse au bout d'un certain temps. Enfin, de très peu de temps d'ailleurs. Tant qu'ils sentent bon et qu'ils sentent pas trop l'alcool, c'est qu'ils sont pas tournés, c'est juste à cause de la lumière. Hein. Si vous les gardez dans un endroit noir, normalement ça tourne moins vite. Moi je les expose, donc forcément c'est pas une bonne idée. Mais j'aimerais bien avoir le vrai Olympia quand même, juste par principe, parce que c'est mon parfum préféré. Ça c'est à cause d'Emmy. Alors j'ai regardé, je voulais le commander ce matin sur Boozy Shop parce qu'elle l'a trouvé sur Boozy Shop, mais il est plus dispo. C'est le savon Matte Beauty pour les mains Gougou. Voilà, c'est bébé Yoda, c'est Grogu, c'est mon chouchou. Donc je l'ai mis en wishlist, mais je le trouve pas. Donc voilà, dommage, mais c'est comme ça. On va passer, alors pour ceux qui sont riches. Il y a les éclairages GVM que j'aimerais bien me racheter puisque les miens commencent à vraiment tirer la gueule et à clignoter. Après, je les ai branchés sur secteur. Moi, je les avais rachetés à EMI. Je les ai branchés sur secteur, mais ce n'est pas les prises originales puisque normalement, ils fonctionnent sur batterie et ça m'énerve de recharger les batteries. Donc voilà. Là, il faut que je regarde pour m'en commander un où il y a les câbles avec. Mais voilà, je pense que une fois que j'aurai mis de côté pour la castration de Silver et la stérilisation de la petite, je pense que c'est ce que je vais faire, c'est mettre de côté pour m'acheter mes nouveaux éclairages. Il y a aussi que j'aimerais bien me percer le Dace de ce côté-ci. Donc voilà, je vous affiche une photo, comme ça vous voyez quel piercing c'est, pour remplir en fait l'intérieur de l'oreille. Voilà. Après, j'avais dit que j'aimerais bien aussi faire un flat et un trou ici. Ça, je verrai, mais c'est vraiment le Dace que je veux faire. C'est le dernier piercing que je veux vraiment, vraiment, vraiment faire. Et il me reste trois articles make-up. Je suis désolée, ils sont déchaînés. Le mascara Vicious de Nabla. Voilà, je ne l'ai pas racheté pendant les soldes. Je ne l'ai pas trouvé en solde en fait. Mais j'aimerais bien le revoir parce que c'est vraiment mon mascara préféré pour les cils du bas. Il est quand même 20. Entre 20 et 30 euros, ça dépend un peu des sites. Donc, ça peut faire un très joli cadeau et ça m'évite à moi de le racheter. Ensuite, il y a la palette Dinner de chez Martine Cosmetics. C'est le dernier coffret qui me manque, entre guillemets, puisqu'il manque aussi la mission triplex. Je suis désolée, hein, mais c'est qu'on pas de catch à cette heure-ci. Ah, c'est violent. Hein. On se calme! Et voilà, il lui fait comprendre qu'il en a marre, mais il continue.
Donc je voulais me la prendre pareil en solde, mais il n'y a pas eu de solde. Donc je me dis, si quelqu'un veut me l'offrir, ça m'arrange. Là, je vais rien acheter de ce que je dis avant mon anniversaire, voir ce que j'aurais eu. Mais voilà, il y a certains articles, je vous ai dit, que j'ai partagé à Charline. Donc n'oubliez pas de demander si jamais vous voulez nous offrir. Hein, voilà. Après, j'accepte les dons. Hein, les gens, voilà. Mon PayPal, c'est mon adresse mail. Donc, Et encore un cadeau de luxe pour ceux qui me suivent et qui sont riches, ou ma famille qui est riche, mais j'ai personne qui est riche. Donc voilà. Ça fait longtemps que je l'ourne dessus depuis qu'elle est sortie, mais le prix, c'est juste pas possible. 160 balles pour une palette. Là, elle est affichée à 156,75€ parce que je l'ai trouvée comme ça sur internet, vu qu'elle est plus dispo sur Maki Beauty. Sur Maki Beauty, elle est à 160€ pour une palette. Ça fait vraiment cher. Mais c'est la Beauty Lightwork Car 4. Transcendance de Dan et Saint-Méric, parce que bah, c'est que des phares multicro. Mais que des phares multicro. Elle est totalement faite pour moi, hein, cette palette, mais le prix, waouh, c'est juste pas possible. Quoi. Je ne mettrais pas ce prix-là pour une palette. Donc je sais que je l'aurai probablement jamais, mais voilà. Le day, c'est à peu près 50€. Donc voilà, il y a un peu pour tous les prix. Le petit savon pour les mains, il n'est pas très cher. Je ne saurais pas dire comme ça, vu qu'il n'est plus dispo. Mais... Voilà, voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure quand j'ai reçu mes colis. Si jamais le facteur ne passe pas trop tard pour les colis Amazon, c'est pas toujours le même facteur qui passe. Ah oui, le facteur, la dernière fois, il passe et puis il me dit « Ah, salut, tu remettras le bonjour à ton homme et tout. » Oui, d'accord, mais je sais toujours pas qui c'est. Hein. Et il me parlait vraiment, il me connaît, hein, il connaît mon mari, donc je sais toujours pas qui c'est. Donc hier, il est revenu, puis j'ai fait genre « Ah, salut, ça va ?» Je sais toujours pas qui c'est. J'aime pas quand je me souviens pas des gens. Oh là 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 là. Bon, je suis. Bon, allez, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure si jamais le facteur vient pas trop tard. Ou demain s'il vient trop tard et je vous montrerai, je vous dirai si j'ai la charge rapide. Parce qu'alors là, je ne vis plus sur la charge rapide. Mon téléphone, il ne charge pas assez vite à mon goût, ça me plaît pas. Et ouais, pour la collab, j'ai pris du Minky. Je pense que je vous montrerai aussi, comme ça je vous mettrai déjà les liens en barre d'infos. Si vous voulez les commander avant que ma vidéo sorte, elle sort quand? Elle sort quand? Elle sort quand? Attendez, attendez, je vais vous dire ça tout fouette. Le 6 février. Donc je vais faire, en fait, c'est génial parce qu'ils ont accepté que je fasse la collab pour moi, mais pas que pour moi. Je vais faire un panier donc pour Riley en Minky. Donc c'est du polaire, mais avec des petits point en relief comme ça, que je trouve ça très joli. Et comme le thème c'est magenta, vu que c'est la couleur de l'année, j'ai pas trouvé de tissu vraiment magenta qui me plaisait, mais elle m'a dit que je pouvais aller dans le rose et dans le rouge. Donc là j'ai pris du rouge pour faire pour Dimov et du rose pour faire pour Riley, faire deux paniers. Et elle a accepté que je fasse pour Dimov aussi, donc je suis contente. Donc voilà. Donc là je vous ferai la vidéo, mais vraiment étape par étape. J'espère que ça donnera ce que je pense, que ça va donner. Parce que je sais pas, je vais improviser. Voilà. Après, c'est deux ronds hein, à coudre ensemble et à rembourrer. On verra ce que ça donne. Et j'ai hâte de commencer ça. Et il faut que je le fasse de toute façon avant mon anniversaire pour le donner à Manon pour qu'il m'ouvre. Bon, allez, sur ce, soit on suit du jour, soit on suit du moment parce qu'il ne me laisse pas parler. Alors, il est 10h22. Je viens de finir de filmer. Et je pense que je vais me coucher. Le facteur est venu m'apporter la collab, mais j'avais autre chose à vous dire. Alors, j'ai terminé hier Les Esprits Criminels. J'ai terminé la dernière saison. Là, je suis en train de faire la mise à jour des Sims parce que j'ai trouvé un nouveau challenge à faire. C'est un peu comme le Tingle Sims Challenge. Je vous mets la vidéo que j'ai vue en barre d'infos. Dans sa barre d'infos, il y a les règles. Voilà. Ça me passera le temps. Mais là, je pense que je vais d'abord aller me coucher un peu. J'ai reçu mon câble Amazon, donc c'est bien une charge rapide. Désenregistrer le son jusqu'à maintenant, désolé. Donc c'est bien de la charge rapide. J'ai retrouvé la charge rapide, je suis heureuse. Oui, là elle pleure parce qu'elle râle, parce qu'elle veut pas être toute seule. Et j'ai reçu ma coque, alors c'est pas tout à fait la même. Je sais pas si vous allez voir, il y a des détails dessus. Non, vous voyez pas, je pense pas.
Voilà, c'est une coque assez simple et il y avait une vitre de protection, il faut que je la mette. Voilà, donc là on va faire le unboxing des bijoux. Alors le code promo sera actif que quand j'en parlerai en vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale puisque je viens de tourner mon haul. J'ai envie de les tester un peu, enfin ils m'ont demandé de toute façon de les tester un peu avant d'en parler pour être sûr qu'ils ne bougent pas et tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre. Et j'ai prévu une vidéo bonus qui parlera du site le 11 février, jour de mon anniversaire. Donc je reçois ça dans une petite enveloppe. Alors le délai a été un peu long parce qu'il y a eu des soucis. Pas comme Maki Beauty. Mon colis apparemment est reparti à Barcelone. Voilà. Bref. Donc je vous en dirai plus sur les bijoux quand je les aurai un petit peu testés et que je ferai la vidéo le jour de mon anniversaire, le 11 février. Voilà. Je me suis dit que c'était une belle date. Là, moi, j'ai eu une bague et une boucle d'oreille, puisque c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez choisir soit la paire, soit l'unité dans les boucles d'oreille. Donc, c'est le site Wuyar. Désolé pour la prononciation. C'est Manon qui a donné ma chaîne. Oh, je vais y arriver. Pour que voir si un partenariat pouvait les intéresser avec moi aussi. Et donc j'avais un budget de 60 euros. Bon là j'en ai pour 62, mais ils m'ont dit que c'était bon. J'ai pris une bague pour mettre à mon pouce. Je vous montrerai demain parce que là il faut que je huile mon doigt pour pouvoir enlever celle-là et mettre l'autre. Parce que ça bloque à cause de l'os ici. Et j'ai pris une boucle d'oreille pour mettre à mon Nélix. Oh mais enfin! Donc si vous voulez commencer à préparer vos petits paniers, je vous mets le lien du site en barre d'infos. C'est un site français, bien que ce soit un nom anglais, c'est un site français. Et ce qui est génial, déjà c'est l'achat des boucles d'oreilles à l'unité. Si comme moi vous aimez avoir de la symétrie dans les oreilles. Voilà, j'aime pas la symétrie, mais pour les oreilles j'aime bien. Et vous pouvez également, à chaque commande, vous choisissez une des trois associations et chaque commande, il reverse 50 centimes à l'association de votre choix. Donc ça, je trouve ça très bien. Je vous donnerai plus de détails. Ah, je vais peut-être pouvoir la mettre au lobe. Donc ça, c'est la boîte pour les oreilles. Donc je vous montre la boîte. Voilà. Donc là, j'ai pris que une. C'est un anneau avec une croix. Je vais peut-être pouvoir le mettre à mon lobe. Il faut que je vois si l'écart est assez grand, mais peut-être. Ou alors, sinon, je mettrai au tragus, à l'hélix. Mais voilà. Après, c'est beaucoup des mouches. Donc, des fermetures mouches, ce que je ne supporte pas. Donc, c'est soit des labrés, soit des anneaux. Là, c'est un anneau avec la petite croix. C'est de l'argent. Et vous avez également beaucoup de plaqués or. Moi, j'aime pas l'or, donc j'ai cherché vraiment dans les trucs argentés. Mais il y a tout, il y a les boucles d'oreilles, il y a les bracelets, les colliers, enfin il y a vraiment beaucoup de tout, des chaînes de cheville et des bagues. Et les bagues, j'en ai vu plein qui me plaisent, vraiment plein. Donc ça, je mettrai ce soir et je vous montrerai ça demain. Elle est très belle, elle a l'air très quali. Et la bague, je l'ai reçue dans une plus grosse boîte, très jolie boîte d'ailleurs. Oh, dans un petit pochon. Bah, dis donc. Donc la boucle d'oreille, c'est la les fidèles que j'ai pris à l'unité. Et la bague, c'est la spontanée, que moi j'ai pris en taille 54 pour mettre à mon pouce. Sauf qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de stock. Donc si elle vous plaît, n'attendez pas le code promo parce que il n'y a vraiment plus beaucoup de stock. Donc voilà comment elle se présente. Elle est vraiment magnifique, elle est encore plus belle en vrai. Il y en avait plusieurs hein, qui me... Ah, bah, j'ai réussi à l'enfiler. Alors attendez, je vais essayer d'enlever l'autre. J'ai mon os qui arrête ici. Oh, super. Oh, mais... Oh, elle est trop belle. Oh, elle est sublime. Oh, elle est vraiment belle. Oh, je suis contente. Et à mon pouce, ça fait super beau. Ouais, donc le stock est vraiment bas, celle-ci. Donc, c'est la spontanée.
Donc, ils vous mettent aussi. Je vais essayer de retrouver le truc et je vous le mets également en barre d'infos pour calculer votre tour de doigt si vous n'avez pas de baguier. Donc, ça, c'est génial. Et voilà, la boucle d'oreille, je mettrai tantôt parce que je préfère enlever un piercing quand j'ai Chéri qui est là pour au cas où. Mais wow, je suis super contente. C'est magnifique. Donc merci Vénus. Le prénom de la personne avec qui je suis en lien pour ce partenariat, c'est Vénus et je trouve ça trop beau comme prénom. Donc voilà. Les deux articles que moi j'ai choisis. C'est magnifique. Très 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 beau. Donc vous verrez le résultat de la boucle d'oreille demain, puisque là je pense que je vais me pioter. Je suis épuisée. La bague, je vais la laisser tout de suite. Elle est sublime. Oh là là, magnifique. Avec les petits zigzags comme ça dedans, c'est vraiment. Et elle est fine, hein. Elle est large, mais fine en épaisseur. Je suis vraiment contente. Donc voilà, moi vous savez que les bijoux, c'est des bijoux, à chaque fois c'est de l'argent parce que bah, j'adore l'argenté, mais que, bon celle-ci c'est en or blanc parce que c'est un bijou que j'ai reçu à mes 16 ans, mais je les laisse tout le temps, je ne les enlève pour rien, donc c'est comme ça qu'on va voir si ça tient, parce que cela fait trop grossir. Parce que je vais aller à la douche, je vais faire mon ménage, ma cuisine, et tout ça avec. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de les tester un peu pour être sûr que ça ne bouge pas. Et voilà. Bah écoutez, demain je vous montrerai le résultat de la boucle d'oreille. Et voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce vlog va pas être bien long, je pense pas. En tout cas, je suis super contente. Donc merci Manon d'avoir donné ma chaîne. Et merci Vénus d'avoir accepté le partenariat. Je suis vraiment enchantée. Mais je vous dis, hein, si celle-ci vous plaît, n'attendez pas le code promo. Ça sera 10 ou 15% le code promo, je ne sais plus. Je vous redirai ça dans la vidéo du 11 février. J'ai décidé de faire une vidéo dédiée parce qu'ils m'ont dit que je pouvais très bien l'intégrer dans une autre vidéo. Mais comme ça, je peux parler bien du site, tout vous expliquer. Et je peux tourner quand j'aurai. Tester les produits un peu plus tard et au moins il n'y aura que le site mis en avant et pas un autre partenariat ou autre chose. Là franchement voilà. Donc la bague elle est à 49 euros et la boucle d'oreille à l'unité est à 13 euros. Ça j'ai oublié de vous dire. Et voilà. Mais écoutez, je suis bien contente. Je m'attendais pas à. Sur le site, elle était déjà belle, hein, mais en vrai, je trouve qu'elle est encore plus belle, quoi. Elle est vraiment canon. Oui, vous connaissez mon addiction pour les bagues. Bon, bien que j'en ai pas beaucoup, hein, mais c'est parce que je mets que des bagues que je peux tester, que je peux laisser. Et voilà. Donc, bon, et mon alliance, bien évidemment. Voilà, bon, je vais arrêter de. Je vais l'admirer sans vous. Je crois que vous avez compris qu'elle me plaît beaucoup. Voilà. Bon, allez, sur ce, on switch de jour. Et je ne sais pas ce que je vais faire. Ah, mais il est que 10h30, je vais peut-être pas aller à la sieste tout de suite, non? Je vais jouer un peu aux Sims. Voilà, j'ai la flemme de faire mon montage, mais j'ai joué un peu aux Sims. Vu que j'ai fini Esprit Criminel, là je suis en train de regarder sur Netflix, comment s'appellent les gens? Les I am a Killer. Il y a 4 nouveaux épisodes, je crois. Ah non, 5. Hein, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux épisodes. J'en ai déjà regardé un, je suis sur le deuxième. Et j'ai vu qu'il y avait un nouveau reportage aussi criminel sur Netflix. Et après, je pense que je vais regarder les Esprits Criminels, comment ça s'appelle? Hors Frontières ou un truc comme ça là. J'ai vu ça sur Disney. Donc, voilà. Et apparemment, Paramount a racheté les droits pour faire d'autres saisons. Sauf que je n'ai toujours pas accès à Paramount Plus en Belgique. Il faudrait un peu que j'envoie un mail pour voir quand est-ce que ça sortira chez nous. Et à moins que j'essaye sur la télé, je sais pas si je suis pas déclaré en France sur la télé, enfin, je sais plus, je sais pas. Bref, allez, sur ce, ensuite je jour. Alors, il est 9h30, je m'étais préparée à filmer et finalement je vais glander. Je suis épuisée à cause de elle.
Elle m'a réveillée à 2h au matin parce qu'elle avait envie de faire pipi. Et du coup, de 2 à 3, j'étais réveillée et j'ai fait un montage. J'ai fait mon montage de mon hall. Le chien qui gueule dehors. Et je suis remontée me coucher de 3h à 6h. Voilà, mais j'ai mal dormi. En plus, à un moment, elle s'est cassée la gueule en bas du lit. Donc après, je l'ai reprise dans les bras et tout pour qu'elle se rendorme. Mais il faut la caresser pour qu'elle s'endorme et tout. Voilà, c'est un vrai petit pot de colle à sa maman. Là, elle est encore sur mes genoux. Elle comprend pas que quand elle va être plus grande, sur mes genoux, elle va plus tenir des masses. Hein, parce que là, c'est déjà un vrai petit boudin. Donc voilà, voilà. Donc, ma boucle d'oreille, j'ai réussi à la mettre ici. Je suis trop contente. Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Je suis trop contente. L'anneau, il passe nickel ici. Ici, j'essaye même pas, hein, parce qu'il faut une grosse largeur d'anneau, donc ça me plaît moins. Mais voilà. Par contre, je pense que je vais intervertir les deux là. Mettre le plus petit diamant vers le bas. Ah, bref, je change mes piercings, vous avez l'habitude. Hein. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Il faut que je vous donne le planning, puisqu'on va pouvoir clôturer le vlog. Mais il y avait encore un autre truc que je voulais vous dire. Ah oui, non, je viens de... Donc, Maki Beauty, le colis est bien retourné par là. Donc, ils m'ont demandé si je voulais un envoi, un second envoi quand ils l'auraient reçu ou si je préférais un remboursement. Elle s'installe pour dormir. Du coup, j'ai dit que si je l'avais pour début février, je voulais le retour parce qu'il y a le produit du swap dedans. On se les échange le 11 pour mon anniversaire. Et elle m'a dit que ça serait probablement pas possible puisqu'il faut attendre qu'il arrive chez eux puis après qu'ils reviennent. Après, il faut que je le récupère chez mon frère. Donc, ils m'ont fait un remboursement. Ils m'ont fait tout de suite. Ils n'ont pas cherché à chipoter. Du coup, pour ne pas recommander chez eux le produit que j'avais commandé, j'ai regardé sur Beauty Bay. Mais l'autre, je l'avais eu en promo. Sur Maki Beauty, je l'avais eu en promo. Là, il n'était pas en promo. Plus 6,95€ de frais de port. Ça faisait extrêmement cher pour le produit que c'était. Hein. Donc, du coup, je me suis rabattue sur un autre produit. Donc, petit changement de produit de swap de dernière minute. Il faut que je le note puisque j'ai déjà fait mon menu, hein, bien évidemment. Je fais toujours tout à l'avance. Il faut que je le note dans le menu. Et voilà, mais je l'ai commandé. Je devrais l'avoir assez vite cette fois-ci. Donc, je suis contente et ça sera clôturé. Ça fera juste un petit peu moins de goodies. Mais bon, c'est pas le plus important non plus. Et voilà. Donc, je vais vous donner le planning de la semaine prochaine. Attendez, le chien veut rentrer. Tu vois, tu t'installes toujours quand il faut pas, toi. Donc, planning de la semaine prochaine. Ah, ça y est, tu vas aller jouer maintenant? Tu rêves, là? Tu te couches ou tu vas jouer? Je crois qu'elle sait pas elle-même ce qu'elle veut. Tu descends ou tu restes sur mes genoux? Oui, il y a Ryan. Tu vas jouer avec Ryan? Oui, non? Tu fais quoi? Bon, allez, je te mets par terre, on va voir ce que tu fais. Hop là, et résultat des courses, aussi massif. Donc, je sais plus. Oui. Donc, lundi, unboxing et crash test du colis Focalure qu'ils m'ont envoyé. Hein, donc, je vous ai fait le unboxing en live Insta. Je vous remets en barre d'infos si je ne vous l'ai pas déjà dit, je ne sais plus. Mercredi, le Disney Challenge que j'ai toujours pas tourné. Je voulais le tourner demain, puisqu'aujourd'hui je voulais tourner le crash test nouveauté. Mais du coup, bah, demain je tournerai le Disney Challenge. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Et dimanche ou lundi, je tournerai le crash test nouveauté, vu que c'est que pour la semaine prochaine. Qui est sur le thème de Blanche-Neige. Donc, je suis fortement pas inspirée. Mais je crois que j'ai trouvé. Je voulais partir sur un Denain, sur Simplet, parce que c'est mon préféré. Et puis finalement, j'ai ripé sur Blanche-Neige tout court. Mais voilà, tout simplement. Et donc, vendredi, un haul Shein. Samedi, en bonus, un haul beauté. Et dimanche, le vlog. Ouais. Et après, il faut que je me calme. Parce qu'il faut que je mette de côté pour la castration de Silver et la future stérilisation de Mademoiselle. Donc j'aimerais bien avoir les sous de côté pour être tranquille. Normalement, là, avec mon budget qui me reste, malgré tout ce que j'ai dépensé, j'ai assez déjà pour la castration de Silver. Seulement, il faut que j'attende qu'il ait 6 mois, donc ça ne sera pas avant mars-avril. Mais au moins, j'ai les sous de côté et je suis tranquille. Et voilà, et par après, je mettrai un petit peu de côté pour... Je vais essayer quand même de limiter,
sont en train de se battre pour la gamelle qui est vide. Hey! Je vais quand même essayer de limiter les dépenses parce que là, j'ai largement abusé entre Black Friday et les soldes. J'ai largement abusé, plus les nouveautés. Donc on va se calmer un petit peu. Hein. Et voilà, bah, je dis ça, mais... Et après, j'aimerais bien mettre de côté pour mes éclairages aussi, pour me racheter des éclairages. Donc voilà, je pense que là, je vais commencer à économiser un peu. Et je pense qu'après, je vais quand même me remettre à mettre de côté pour mes dents bien bien, parce que... Voilà, c'est nouveau le bordel, j'ai de nouveau une tonne de tartre. En plus, j'avais changé de dentifrice. J'avais racheté du Dénivite un peu pour essayer d'enlever un peu les taches, vu que je bois beaucoup de café et que je fume. Hein, voilà. Et je me suis chopé les dents hypersensibles. Le tartre s'est accumulé puissance 10, plus. Et je suis repassé à l'oral B. Et là, du coup, le tartre est en train de le diminuer, mais pas assez. Mais enfin, vous avez fini avec ce pauvre panier, là. Oh, faut faire le gendarme quand ils se battent, quand ils jouent, faut toujours faire le gendarme ici. Donc je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, je parlais de mes dents. Donc ouais, je vais quand même mettre de côté. Si j'ai au moins le budget pour faire celle du bas, et je fais déjà celle du bas, et après je remets de côté pour faire celle du haut. C'est moins urgent, mais j'aime pas mes dents du haut, donc enfin j'aime bien les deux de devant. Après celle-ci, elle a une forme bizarre. Mais voilà, comme ça c'est fait, et puis je suis tranquille parce que je vais pas les faire à 60 ans. Hein. C'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi je vais modifier mon truc du swap là. Ça va, c'est une phrase à ajouter. Et je vais. Ryan, Riley, ça suffit. Oh, ils se battent pour le panier, mais Ryan rentre pas dans le panier. Et je vais. Glander. Ouais, j'ai joué aux Sims devant. Je suis en train de regarder les esprits criminels, là, Unité sans frontières, et c'est pas mal, hein. Il y a des petits moments où on voit les personnages, on a déjà vu Rossi et Pénélope. Ouais, c'est pas mal, sauf que c'est entre les deux, en fait. Je sais pas si vous avez vu tous les esprits criminels, mais c'est entre plusieurs saisons, quoi. C'est pas une suite, hein. C'est un spin-off, en fait. Et après, il y en a un autre, je sais plus c'est quoi. Ah, attendez, je vais vous dire. Je vais aller sur mon... Enfin, sur mon... C'est pas mon Disney, hein, c'est celui d'Emmy que je squatte. Unité sans frontières. Ah oui, l'autre, c'est Criminal Minds Suspect Behavior. Ouais. Une équipe d'élite d'agents du FBI, autrement connue sous le nom de Red Cell, la cellule rouge, utilise des méthodes d'enquête peu conventionnelles et des techniques agressives afin de capturer les criminels les plus néfastes de ce pays. Et là, il n'y a qu'une saison, celle que je suis en train de regarder, il y a deux saisons. Là, il y a une saison de 13 épisodes, donc ça ira vite. Et j'ai vu aussi Quantico. Alors, attendez, hein, parce que... où c'est qu'il est, Quantico? Mais là, c'est avec les étudiants, je crois. Il y a Revenge aussi que j'aimerais bien me refaire. Et Amy m'a donné envie de me refaire les frères Scott aussi. Mais je sais pas si c'est là qu'elle l'a fait. Il est où, Quantico? Voilà, Quantico. Là, il y a 3 saisons. Donc de... Ah ouais, là il y a plus 22 épisodes. Merde. Saison 2, 22 épisodes. Et saison 3, 13 épisodes. Et là, c'est des agents en formation arrivent à l'académie du FBI de Quantico. Je sais pas du tout, je connais pas les acteurs. Je vois pas qui c'est. Je pense que je vais enchaîner ça et puis après je verrai, soit je me fais Revenge, soit je me fais les frères Scott. Quoi que Revenge, il y a moins de saisons que les frères Scott. Après Revenge, je décroche au bout d'un certain temps, je trouve que ça devient un peu trop bizarre au bout d'un certain temps. Il y a Avatar aussi que j'aimerais bien regarder. Vaiana. Ouh, Vaiana. Ah, Coco, j'aime aussi beaucoup ce dessin animé. Il y a les Narnia aussi que je voulais me refaire. Il y a plein de trucs que j'ai envie de me refaire, en fait.
Il y a la série Willow aussi qui a l'air pas mal. Il y a Les Maléfiques aussi que j'adore regarder. Pirates des Caraïbes aussi peut-être. Cruella, j'adore ce film. Je suis en train de vous faire tout mon planning de futures vidéos. Hein. Once Upon a Time aussi, je vais le faire. Je vais voir toute la suite. Oui, il y a des trucs sympas, franchement. Et puis au mois de mars, il y a la nouvelle saison de The Mandalorian qui sort. Ouhou. Donc voilà, un petit peu pour inspiré de Crime Réel. Tiens, j'avais pas vu ça, c'est quoi? Adieu ne plaît, sans laisser de traces, le dernier gangster, l'arnaqueuse. Summer of Sam, ça a en avoir avec True Story. Faudra que je regarde un peu plus ça en détail. Bref, je vais pas vous parler de tout mon planning vidéo parce qu'il y en a. Par contre, j'ai un retard sur les vidéos YouTube, un truc de fou. Un truc de dingue. J'ai pas regardé de vidéos depuis des semaines et des semaines. Toutes mes vidéos True Crime sont dans ma liste de vidéos à regarder. Je sais même pas combien j'en ai, j'ai peur. Et eux sont hyper motivés, over motivés. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, on va clôturer ce vlog ici. Donc moi, je vous souhaite une très bonne semaine, comme d'habitude. Moi, je vais geeker et glander. J'ai le droit à une semaine, enfin, une journée de repos, j'allais dire, mais repos, j'ai déjà fait une machine, j'ai déjà fait le lave-vaisselle, il faut que je nettoie encore. J'ai déjà pendu la machine, j'ai préparé du coup ma vidéo pour rien, puisque je la tournerai pas aujourd'hui. Et voilà, j'ai fait une commande aussi, mais c'est pas pour moi, c'est pour le swap aussi. Il faut que je téléphone pour prendre rendez-vous chez le veto pour le vaccin, pour le faire le 31. Je vais peut-être faire ça tout de suite, avant de glander et d'être épuisé. Et voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ben, de toute façon, on se retrouve demain, et puis mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Principalement avec deux hauls le week-end. Désolé, j'ai abusé. Je vous le concède. Voilà. Bon, allez, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.